Bonne arrivée, nous sommes très heureux de retrouver le groupe Respect après la sortie de leur album le 3 décembre. On les retrouve au grand complet. Soyez les bienvenus. Ok, Zabarako. Oui, c'était le cri de guerre du groupe Respect. On remarque un très grand changement. Le groupe d'avant et celui de maintenant, un très grand changement. Comme ils sont venus avec le grand manager Angelo, nous allons lui donner la parole pour lui dire un peu les nouvelles. Angelo, tu as la parole. Gloire à Dieu, je suis le manager et je suis aussi le directeur artistique du groupe Respect. Respect. Et à peine une semaine, l'album sorti, déjà l'album a commencé à produire des effets. Voilà, voici Une preuve palpable. une preuve palpable. Oui, quelle est la preuve? Le chorégraphe international Du groupe Respect. du groupe Respect est aujourd'hui Dans une chaise dans roulante. une chaise roulante. Alors qu'avant, c'était Avant, un bois, un bois péniblement, il s'est. oui, qui se déplaçait, et aujourd'hui, l'album a produit cela. Donc, nous sommes venus montrer à Dieu, on dit que ce qu'on nous a donné comme héritage, nous avons commencé à profiter de ça. À profiter de ça. Oui, ça, c'est un des exemples. Le don de Dieu a été profitable. Vous savez, on va voir, on va Voyez-vous. voir. Voilà, déplacer pour qu'on voit. Voilà. Merci au Seigneur. Peuple de Dieu, tout ça, c'est le fruit de vos dons. C'est le fruit de l'album qui est sorti. Vous avez pris un CD et c'est le CD qui a produit ce résultat que nous voyons. Voilà, que Dieu bénisse encore tous ceux qui ont donné, qui ont pensé au groupe Respect, qui ont pris un album en ce jour-là. Et Angelo, l'album, ça continue d'être vendu? Oui, je dis que l'album est sorti il y a une semaine maintenant, Oui. mais aujourd'hui mes poulets n'ont plus le temps et leur calendrier, leur emploi du temps est chargé. Est chargé. Oui, aujourd'hui vous avez constaté qu'ils sont venus un peu en retard au culte. Ils avaient fait un spectacle, ils ont donné un spectacle de l'autre côté de Yopougon. Et vous voyez aussi le journal que je tiens ici. Oui, Voilà, le on journal que parle je tiens de. ici, on parle d'eux. À la télévision, on parle d'eux. Et partout en Côte d'Ivoire, on parle d'eux. C'est pour dire que l'album est de belles factures. C'est pourquoi ils sont en train de bénéficier de tous ces avantages-là. Voici le journal, c'est. On va rappeler un peu le titre de l'album, c'est Respectons Respectons Dieu. Dieu. Respectons Dieu. Un album de combien de titres, on va Un rappeler. album de 7 titres faits en live. En live, pur live. Plus live. Et comment faire aussi pour les solliciter? Parce que vous dites que le calendrier est chargé, l'emploi est chargé. Déjà, Dieu a commencé à se manifester, à les bénir. Hein, comment faire pour les solliciter? Oui, le groupe Respect a un contact. Il suffit de taper le 49 25 63 65 et vous avez le groupe Respect chez vous. Gloire au Seigneur, ils Voilà. peuvent animer les manifestations, tout, 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 Vos tout. mariages, vos baptêmes, vos différentes cérémonies, en tout cas, le groupe Respect est disponible. Est Vous disponible. nous appelez, on vient vous donner la joie que nous avons reçue au ministère Chemin du Ciel. On va donner quand même la parole à l'un des membres pour nous dire quelque chose. Oui, le lead. Voilà, c'est ça. Notre manager a déjà tout raconté. En ce moment même, nous sommes très joyeux. Nous disons merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Nous disons merci pratiquement à l'homme de Dieu, Papa Florian, qui a permis à ce qu'aujourd'hui même, notre chorégraphe même ne marche pas. Soit dans une chaise. Il s'assoit maintenant dans une chaise roulante. Comment le don est venu? Le don est bon. Après la dédicace, nous avons constaté que maintenant, le chorégraphe ne doit plus marcher. Parce que là, quand on finit de presser comme ça en sol, il est déjà fatigué, le Se temps va déplace marcher par difficilement. l'ailleurs. En tout cas, nous sommes déjà en retard. Pourtant, la nuit, ce n'est pas du jeu, c'est le conducteur. Donc, il faut être prêt et il faut être à l'heure. Quand tu n'es pas à l'heure, bon, les prestations s'annulent. Et voilà pourquoi nous avons décidé de lui offrir ce cadeau. Et en tout cas, nous sommes très joyeux. Oui, alors dis-toi aussi. Voilà, nous disons simplement merci à tous ceux qui ont pu se procurer ce CD parce que grâce à cela, aujourd'hui, nous sommes très contents d'avoir ce cadeau-là. Nous disons merci vraiment à Dieu. Alors, nous disons merci à le Dieu de Papa Florian qui a fait que notre ami se déplace avec la chaise. Okay, j'espère que mes frères ont tout dit.
Et nous disons merci au Dieu de Papa Fouillon. Okay. Donc c'est l'argent des CD là qui a permis d'acheter cet instrument, c'est ça? Et c'est les dons qui vous ont été offerts. Après la dédicace, on nous a sollicité dans un maquis de la place. Et lorsque nous sommes arrivés là-bas, après leur prestation, ils ont recueilli de l'argent. Les gens les ont fait des dons, ils ont acheté des CD. Et c'est ce qu'on a recueilli comme argent. Ça, on a pris pour acheter cela. Pour acheter cela. Voilà. Donc ces dons, ces ventes-là sont allés au bon endroit. Justement. Au bon endroit, ont servi à une cause noble. Merci encore d'être venu. Si le manager a quelque chose à ajouter pour clore un peu. Franchement, il faut dire que c'est un exemple. Lui, les autres qui sont handicapés sont assis dans les rues, ils attendent à ce qu'on leur donne. Ils m'ont dit. Or, lui, il se débrouille. Voilà, il met la danse en évidence, il se casse, il se tracasse pour avoir son pain. C'est pourquoi on veut le mettre à l'aise. Parce que quand il est avec nous, quand il démontre ses pas, vraiment, il attire l'attention de tout le monde sur le groupe. Malgré son handicap, il ne tient pas compte de ça. Voilà, il ne tient pas. Donc, il faut vraiment qu'il soit dans de bonnes conditions et pour nous procurer de l'argent. Donc, l'homme mangera la sueur de son front. Voilà. Je conseille aux gens de mendier, de tendre la main, parce que c'est Dieu lui-même qui a dit, si tu ne travailles pas, tu ne dois pas manger. Et lui, il a travaillé, c'est pourquoi il a eu ça. Aujourd'hui, il est à l'aise, il est content, il est tellement content que le groupe est content. Parce que quand un doigt est malade, vous voyez que c'est tous les cinq doigts, même tout le corps qui est malade. Actuellement, tout va bien, tout baigne. Comment il se sent dans sa chaise aujourd'hui? Oui, on lui donne la parole. Comment tu te sens aujourd'hui? C'est bon un peu. Ouais. Là, merci de Papa Fouan, ce qu'il a fait pour moi. Ouais. Je te remercie beaucoup, je me sens bien. Après ça, partout on s'en va, pas pressé. Je me fatigue trop, je me bats vite, quoi. Tu vois, non. Merci Papa Fouan, ce qu'il a fait pour moi. Bon. Ok. Oui. Donc, je vais dire en tant que manager que le groupe Respect est sorti maintenant. L'album est sur le marché. Les CD sont toujours en vente. Nous sommes joignables au 49 25 63 65. Au ministère Chemin d'ici, si vous venez ici, au 04 57 51 51, vous appelez ces deux numéros. Vous êtes en possession de cet album. Vous appelez ces deux numéros. Vous êtes en possession du groupe Respect. Vous venez vous égayer là-bas. Que Dieu vous bénisse. Amen.